Bonjour à tous, c'est Elisabeth, bienvenue dans cette vidéo Flashback Review où je vous présente un jeu de tarot ou d'oracle qui n'est pas vraiment récent, qui a un certain âge et que j'ai ressorti des tiroirs. Et ce mois-ci, j'ai travaillé avec le tarot doré de Ciro Marchetti, donc, qui est un jeu effectivement qui n'est pas tout jeune et je vais donc vous le présenter. Donc moi je l'avais acheté d'occasion ce jeu, je me souviens, et d'ailleurs il est arrivé imprégné d'une odeur d'encens sur toutes les cartes dans le coffret. Alors ça sent très très bon et ce n'est jamais parti. Donc il arrive dans un très très gros coffret, alors j'ai l'impression que c'est la mode aujourd'hui, il faut attirer de plus en plus l'œil. Alors on peut dire que ce tarot ici était précurseur. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve qu'on a des coffrets de plus en plus gros. Ça devient compliqué de trouver de la place pour les ranger. Et celui-là, donc, il est vraiment gros. Alors, c'est un coffret qui s'ouvre comme ceci. C'est aimanté, la tranche est aimantée. Voilà. Avec, ici, nous avons une représentation de la force, la carte de la force. Et donc, le titre, le nom de l'auteur et le guide pratique qui est de Barbara Moore. Barbara Moore qui est bien connue dans le domaine du tarot. Voilà, ici sur la tranche aussi, c'est illustré avec la reine d'épée, la lune, enfin avec des cartes. Et de l'autre côté également, vous avez de nouveau les deux mêmes. Hein, voilà. Et puis, au dos, vous avez bien sûr la présentation du tarot. Un univers ancestral auréolé de magie et de merveilleux parce que Ciro Marchetti, eh bien, il a choisi de représenter les personnages sous un aspect un peu moyenâgeux, je dirais. Ce sont des personnages issus du Moyen-Âge, de la Renaissance, on va dire, plutôt. Et alors, je vous lis un petit peu ce qu'il a écrit. Quelque part entre fantaisie et réalité, dans un coin secret de notre imaginaire, se loge une myriade de thèmes intemporels issus des contes, mythes et légendes dont nous nous inspirons depuis des millénaires. Le tarot doré nous invite à pénétrer dans ce royaume enchanté, peuplé de thèmes archétypaux et de symboles intemporels, incarnés sous les traits d'une jolie damoiselle, d'un preux chevalier ou d'un sage mystique. Ciro Marchetti, dont le travail artistique a été maintes fois récompensé, s'est servi des plus récentes techniques du dessin numérique pour créer ce jeu de tarot visionnaire. Il s'est inspiré du symbolisme et de la structure du tarot Rider-Waite pour concevoir une version richement illustrée, très contemporaine, du jeu de tarot le plus connu et le plus étudié de notre temps. Alors, Ciro Marchetti, il a un nom italien, donc j'imagine qu'il est d'origine italienne. En tout cas, il habite aux États-Unis et il a une agence de design aux États-Unis. Donc, ce sont des images qui ont été fabriquées par ordinateur. Et c'est vrai que là aussi, il était précurseur, puisqu'aujourd'hui, avec toute cette folie de l'intelligence artificielle pour faire des textes, pour faire des images, eh bien, tout le monde peut créer finalement un jeu de tarot très facilement, même sans savoir dessiner. Alors, je ne dis pas que Ciro Marchetti ne sait pas dessiner, hein, mais en tout cas, ce sont des images numériques. Alors, voilà l'intérieur. Donc, moi, j'ai l'habitude de laisser les jeux dans leur coffret d'origine. J'ai pas de pochon, sauf ça m'arrive quand la boîte se déchire. Ça, c'est arrivé pour certains. Mais sinon, je les laisse dans leur boîte. Alors ici, ça ne tient pas trop, hein, parce que vous avez les premières cartes qui bougent un peu. Mais enfin, une fois qu'elles sont rangées, le livre par-dessus, ça ne risque plus rien. Le livret, qui est assez gros. Alors, il est vraiment très, très bien fait pour les débutants. Il y a d'ailleurs marqué « guide pratique » et c'est vraiment le cas. Hein. Donc, c'est vraiment le cas de ce livret. Barbara Moore est une grande habituée des tarots. Donc, c'est quelqu'un qui connaît très, très bien le tarot. Et elle va en fait vous donner tout un tas d'exercices à faire, surtout lorsqu'on ne connaît pas bien le tarot. Alors, évidemment, c'est un tarot qui a été édité en anglais au départ. Et vous voyez, il date de 2004, hein, donc ça commence à être assez vieux. Voilà pour la date de publication. Alors ici, bien sûr, on a une table des matières. Avec une introduction, le Ciro Marchetti aussi qui a écrit quelques lignes sur son travail.
Ensuite, l'ABC du tarot, donc c'est l'introduction par Barbara Moore de ces exercices que vous pouvez faire. Et puis, bien sûr, les arcanes majeures, les arcanes mineures, les figures. Donc, ils les ont séparés des arcanes mineures, des exemples de tirages, et puis un mot sur l'auteur et sur l'artiste. Voilà, donc l'introduction, vous allez pénétrer dans l'univers merveilleux du tarot. Alors, elle parle de l'importance de bien formuler la question. Ça, c'est vrai que bon, ça, vous l'entendrez tout le temps. Et moi-même, j'insiste énormément lorsque je fais des consultations en tant que coach et tarotpeute aux personnes qui arrivent souvent avec des questions très floues, très vagues. Il faut vraiment arriver à faire préciser ce que la personne entend vraiment par la question qu'elle pose. Qu'est-ce qui se cache dessous ? Que ce soit bien clair, parce que plus votre question sera claire et plus vous aurez des réponses claires. Donc ça, c'est l'illustrateur qui ne connaissait pas trop le tarot visiblement quand on lui a proposé cette collaboration. Et donc il parle de la somme de travail que ça lui a demandé au départ. Et donc il a bien étudié le tarot. Et il explique aussi qu'il adore les mécanismes. Hein, donc ça, vous allez en retrouver dans beaucoup de cartes et même d'autres cartes. J'ai un jeu Lenormand aussi, Petit Lenormand, illustré par Ciro Marchetti. C'est pareil, il y a tout un tas de mécanismes. Il adore ça, il aime bien la technologie, mais la technologie un petit peu à l'ancienne. Hein, vous voyez, comme ça, avec des rouages. Voilà. Alors là, oui, j'ai souligné cette partie parce que ça m'a fait rire. Face aux nombreuses réinterprétations du tarot déjà sur le marché, il m'est vite apparu souhaitable de ne pas ajouter à cette surenchère et de rester près de la tradition. J'ai noté dans la marge, si vous voyez, 13 ans après, en effet, tous les tarots qui sortent, je crois qu'on est un petit peu même noyé sous le nombre de tarots et d'oracles qui sortent par jour. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. C'est bien, hein, c'est super d'avoir tout ça à notre disposition, mais en même temps, ça pousse quand même à la consommation. Ça c'est vrai. Donc, il dit bien qu'il rend hommage au tarot Rider-Waite, qu'il s'en inspire et qu'il est resté très près de la signification originale. Voilà, pour plaire aux collectionneurs aussi, il a fait ça. Alors, les mécanismes font souvent partie de mes œuvres, dit-il. Ces appareils qui font le pont entre la magie et les sciences. C'est vrai que lorsqu'on voit des mécanismes, des rouages, on a l'impression que c'est quelque chose qui appartient au domaine scientifique. C'est une invention en tout cas. Et justement, le mot invention, c'est toujours magique. On se demande finalement comment se créent les idées dans la tête. Et ce qui est fascinant et ce qui est magique, c'est à partir de l'idée, comment on arrive à la concrétiser grâce justement souvent à des assemblages un peu KNKA de choses qui finissent par marcher. C'est très, très étonnant. Il explique aussi qu'il a beaucoup utilisé d'animaux. Hein, voilà, il aime bien, il dit que ça enrichit le sens des cartes, donc il a rajouté des animaux. Et puis ben là, donc, c'est Barbara Moore qui nous invite à prendre connaissance avec le jeu. Elle parle de la composition du jeu, les arcanes mineures. Voilà, elle va expliquer les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, les nombres, à quoi ça correspond, quelle est leur symbolique. Donc ça, c'est super intéressant. Pareil pour les figures de cour, ici, si je cadre pas, ça va pas le faire. Et puis, des exercices à chaque fois pour chaque partie. Donc ça, c'est vraiment très bien fait. Et puis, elle passe aux arcanes majeures avec le parcours du fou, comme elle l'appelle. Et puis, elle va donner des mots-clés pour chaque arcane majeur. Hein. Par exemple, la prêtresse, c'est le principe féminin, l'anima, comme dirait Carl Jung, qui correspond à notre énergie passive liée à l'intériorité. Ce sont les aptitudes que nous avons développées grâce à notre pouvoir d'introspection. En bref, cette carte renvoie à notre façon d'aborder et de ressentir les choses et à ce que nous savons intuitivement. Donc en fait, on a une synthèse des arcanes majeures ici, mais ça va être repris ensuite dans le livret de façon un petit peu plus détaillée. Voilà, des exercices, soins, rangement des cartes. Donc pour faire de la divination, mais là vraiment c'est l'aspect moderne, hein, puisqu'elle dit la divination, la cartomancie, les prédictions, ce ne sont que des balivernes.
Si vous pensez que l'avenir est coulé dans le béton, que tout est prédéterminé et que nous n'avons aucun libre arbitre pour prédire l'avenir, eh bien vous avez à la fois tort et raison. Et donc elle explique un petit peu justement comment lorsqu'on reçoit une information, qu'elle soit d'ailleurs positive dans le tarot ou qu'elle soit négative, eh bien consciemment ou inconsciemment, on va en faire quelque chose de toute façon. On va mettre des choses en place, parfois de façon volontaire et consciente, et parfois de façon inconsciente, pour faire en sorte de reprendre la main sur ce qui a été décrit par le tarot. Parce que ça, c'est l'être humain, hein. On n'aime pas quand même être ballotté par les événements et la vie, même si c'est l'impression qu'on a souvent. On a toujours quand même cette volonté de vouloir reprendre le contrôle. Donc une partie sur poser la question avec des exercices. Qu'est-ce qu'un tirage au tarot avec le consultant? Alors là aussi, elle propose de prendre des cartes significatives, par exemple du consultant, pour représenter le consultant. Et avec, justement, vous prenez le magicien si c'est un homme, la grande prêtresse si c'est une femme, les traits physiques, le bâton par exemple, le teint clair, cheveux blonds, les yeux bleus, etc. Ou les signes du zodiaque aussi, avec les suites, les personnalités, les coupes, personnes émotives, créatives, etc. Donc vous pouvez prendre une carte qui va représenter le consultant, ou vous pouvez demander au consultant d'ailleurs de choisir aussi. Bon, moi, je le fais pas, hein, mais c'est tout à fait possible. Les cartes renversées, moi, je me sers pas des cartes renversées, mais elle explique comment les utiliser. Voilà, faire un tirage. Et la touche finale, voilà, donc pour ranger les cartes, les petits rituels qu'on peut mettre en place. Voilà, et ensuite, vous avez donc les arcanes majeures. Toujours pareil, avec des exercices et des notes qu'on peut prendre directement sur le livre. Voilà, donc elle commence par le fou, et etc. pour toutes les cartes comme ça. Voilà, et puis donc à la fin, vous avez un petit mot sur l'auteur. Donc, une part de Barbara Moore, qui a donc été tombée amoureuse du tarot il y a environ 12 ans. Donc, comme ça fait déjà 13 ans ou 14 que ce tarot est paru, eh bien ça fait presque 30 ans maintenant qu'elle s'intéresse au tarot. Donc c'est une américaine qui a fait beaucoup d'articles sur le tarot, elle est spécialiste, voilà. Et donc Ciro Marchetti qui a travaillé en Angleterre où il a obtenu un diplôme du Croydon College of Art and Design et donc qui a cofondé un studio de graphisme en Amérique du Sud d'abord et maintenant qui est installé à Miami. Voilà pour le livret. Et maintenant, bah écoutez, je vais vous montrer les cartes et puis bah, à la fin, on se fera un petit tirage comme d'habitude avec une seule carte parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps et que j'aime bien les tirages en une carte. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre puisque je m'en suis servi tout le mois de mai. Et donc, elles vont arriver dans l'ordre où elles vont arriver. Voilà, alors, vous voyez, elles sont entourées. Alors, si je vous parle quand même de la texture. Alors, elles ne sont pas du tout, par contre, mais du tout agréables à mélanger. Elles accrochent. Voilà, elles ne sont pas glissantes du tout. C'est pas du carton de super qualité. Elles sont pas très très épaisses et surtout voilà, elles sont, si vous voulez les mélanger comme ça, vous voyez, ça fait des paquets et c'est pas terrible. Voilà. Sinon au niveau de la présentation, alors après vous avez un dos qui est très très joli avec ce soleil un peu toujours pareil, un peu mécanique, on va dire, on dirait une espèce de broche. Et voilà, des enluminures de partout, un cadre noir, donc ça fait classe, moi j'aime bien. Et les cartes aussi sont entourées de ce cadre noir avec, vous allez avoir une couleur ici qui va représenter la suite. Et puis vous allez avoir évidemment le nom de la carte ici dans une petite cartouche en bas. Voilà. Allez, on y va pour les cartes. Donc voici le 10 de coupe. Le 8 de denier. J'aime bien celle-ci. Alors les deniers sont représentés, ce ne sont pas des ronds, hein, ce sont des figures géométriques. J'ai perdu le nom maintenant, il y a 5 côtés.
Pentagone, ouais, ça doit être ça, Pentagone, hein, c'est ça. Et donc là, on a ce personnage qui travaille sur ça. On peut dire que c'est l'ancêtre de la tablette avec la petite souris qui le regarde, puisqu'il a dit donc qu'il avait rajouté des animaux. Et ici, il y a un petit chat, une abeille, là, il y a une araignée aussi. Hein, donc on peut bien sûr, quand on travaille en intuitif, porter notre attention sur les animaux. Le chariot, alors ça c'est une chariote, hein, puisque c'est une femme qui est aux commandes de ce magnifique char tiré par deux sphinx, voilà, très 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 royal. L'as de bâton, c'est vraiment des couleurs très chaudes. Le hiérophante, où il y a l'hiérophante, mais alors c'est vraiment compliqué à prononcer, donc tu m'excuseras Chiro, mais moi je rajoute le, avec vraiment une figure papale ici pour le coup. Le diable, oh, alors le diable il est doré, il est vraiment très 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 attirant, avec ce visage caché qui donne évidemment envie de voir ce qu'il y a derrière, et puis ses grandes cornes, et ce torse enflammé, ouh, très sexy. Le roi de coupe, très bonhomme, hein, voilà, avec un air très sympa, genre, allez, venez boire un coup à la maison, on va parler, allez, viens. Le 8 d'épée, la carte des croyances limitantes, hein, lorsqu'on se croit enfermé, alors qu'on pourrait tout à fait sortir. La mort. Alors la mort, les arcanes majeures sont très beaux, hein, de toute façon, la mort ici est représentée de face et on ne voit pas le reste du corps, donc uniquement ce crâne coiffé d'une espèce de casque, alors qu'il nous regarde vraiment droit dans les yeux, j'allais dire, ou droit dans les orbites, et puis son cheval est dessiné sur le bouclier. Donc on a vraiment cette idée de passage, hein, de monde à un autre. Le 4 d'épée, ouf, je suis crevée, je me repose. Le 5 de coupe, et le 5 de coupe qui pleurniche. Voilà, il pleurniche beaucoup. Il n'est pas content, il est triste. La roue de fortune, alors là vous avez un très très beau cadran solaire avec les signes du zodiaque. Et un très beau mécanisme, elle est vraiment très chouette cette roue de fortune. Et elle est très stable, hein, contrairement à la roue de fortune du tarot de Marseille. La force, avec ce beau lion, alors ici on ne peut pas le confondre avec autre chose que cette femme tient en laisse. Tous les personnages sont richement vêtus. Hein. L'as de coupe. Vous voyez, j'ai du mal à les décoller, hein, donc c'est vrai que c'est vraiment pas pratique. L'as de denier avec la petite belette. Le 7 de coupe. Attention aux illusions. Le 5 d'épée. Le 4 de bâton avec cette famille bien en sécurité entre les quatre poteaux. La prêtresse, alors ce n'est pas la grande prêtresse, elle est devenue juste prêtresse. Et elle renvoie vraiment à ces prêtresses de la Grèce antique, qui étaient des religieuses en fait, qu'on imagine toujours beaucoup plus sexy que par exemple les nonnes d'aujourd'hui. Et beaucoup plus dévêtue aussi, en tout cas celle-ci est très dévêtue et elle a vraiment cette très forte connexion à la lune qu'à la grande prêtresse, de par son intuition très développée et aussi le contact avec le monde émotionnel ici en bas avec l'eau. Très belle carte, hein. Le 9 d'épée, la carte des angoisses nocturnes. Le valet de denier avec son bel habit vert, son beau denier flamboyant et puis le paon, donc tout ça exprime une très grande richesse, en tout cas qui va s'épanouir. Le 2 de coupe, l'as d'épée, alors j'adore, hein, il est très très beau aussi cet as d'épée, magnifique épée. Le 2 d'épée avec le dilemme, la difficulté à faire un choix,
on se trouvait devant un choix très compliqué. Le 10 de denier, alors là, un coffre qui regorge de deniers avec cette petite souris qui est très contente de vous présenter son butin. Le 5 de denier, qui est... Alors, je ne sais pas si c'est l'impression celle-ci, mais on dirait qu'elle est un petit peu floue. Le 2 de bâton, on part à l'aventure. Le chevalier d'épée, ah là là, avec son épée qui flamboie et la chouette qui lui demande d'être sage, hein, parce que les chevaliers, ça fonce un peu toujours n'importe comment. La reine de coupe, très 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 belle dans cet habit. Alors on pourrait presque faire de ce jeu un jeu de top modèle, hein, voilà, qui décide avec leurs vêtements. C'est un peu ça, ça me fait penser à ça, tiens, aujourd'hui je viens juste d'avoir ça qui me vient. Voilà, vraiment des top modèles qui défilent. Alors peut-être qu'on peut avoir un petit peu de mal à s'y projeter, à se projeter sur ces personnages. Bon, moi ça ne m'a pas gêné, parce que c'est quand même des costumes de notre temps, mais c'est vrai que bon, ils sont tous très très richement habillés. Ou pas du tout, comme les amoureux. Très peu vêtus. Alors là, c'est vraiment des amoureux hyper sensuels. Vraiment très très beau aussi, avec aussi les dauphins qui sont le symbole de l'amitié, ce qui veut dire que cette carte ne parle pas que d'amour d'ailleurs. Le valet de bâton, le chevalier de coupe, le 2 de denier avec le jongleur, on retrouve aussi le bateau en arrière-plan qui est sur le rider traditionnel. Le roi de denier, le 9 de bâton, fatigué mais qui n'abandonne pas, le 3 de bâton, qui rêve de partir à l'aventure et de s'ouvrir au monde, le 3 de coupe, c'est la fête, c'est la fête. Le 9 de denier, alors celle-ci, déjà que tous les personnages sont richement vêtus, celle-là en plus, dans le tarot traditionnel Rider, elle est déjà richement vêtue, puisqu'on est au bout d'un cycle avec le 9, au bout d'un cycle de richesse, d'échanges fructueux, et aussi on est bien avec soi-même, on a trouvé une plénitude. Et alors là, c'est encore plus riche. Hein, le jardin déborde de deniers et cette femme est en parfaite maîtrise de tout ça. Le chevalier de bâton, on ne voit pas sa tête. La reine de deniers. Le 6 de deniers. Alors j'ai beaucoup de deniers là tout d'un coup. Le 4 de deniers. C'est à moi, je garde tout. Ah ben le 4, il n'aime pas prêter. Hein. Le 3 de denier. Le magicien. Avec évidemment les symboles que vous allez retrouver sur les suites. Le monde. Très belle carte aussi. Le monde avec vraiment la couronne de laurier. C'est l'apothéose là. Hein. Le valet d'épée, la lune, alors superbe lune, il y a toujours beaucoup beaucoup d'éléments dans la carte de la lune et ici on retrouve tous les éléments du rider avec l'écrevisse, avec les deux chiens loups qui hurlent à la lune, on a les deux poteaux qui représentent les deux maisons, le passage de l'une à l'autre, la lune qui est dans cette espèce de globe, qui normalement est un globe terrestre d'ailleurs, elle est superbe. Et ce très très beau mécanisme ici. Le 10 de bâton, le bosseur, il n'en peut plus là. L'étoile, alors là aussi, une très très belle femme nue, représentée en train de verser ce qu'elle a à verser. Elle est belle, hein, ouais. Elle est belle et très très en chair. On va dire qu'elle s'est peut-être même refait faire la poitrine. Le 9 de coupe. Hola tavernier.
le 5 de bâton. Il joue, il se dispute, on ne sait pas trop. Le 7 de bâton qui défend son territoire. Ça commence à être compliqué. La justice, alors ici la justice a les yeux bandés. Alors on voit que Jérôme Marchetti aime bien les belles femmes pulpeuses hein, quand même, parce qu'il en représente assez souvent. Le 8 de coupe. L'ermite. Le pendu, qui est pendu par des chaînes, un nouveau mécanisme. Pardon. Le 4 de coupe qui s'ennuie. Le soleil qui règne sur notre galaxie et toutes les planètes aussi qui sont représentées, le système solaire en fait. La reine d'épée. Le jugement. Ils ont des très beaux casques aussi. Hein. Le valet de coupe. L'empereur. Qui fait un peu efféminé. Un petit peu comme l'empereur du tarot de Marseille. Oui. Le 3 d'épée. Le cœur percé. Le 6 d'épée. Le 7 d'épée. Le chevalier de denier. Le 10 d'épée. La tempérance, encore une femme très pulpeuse. On retrouve les deux coupes, bien sûr. Une qui ressemble un peu à la flamme olympique, puisqu'il y a du feu à l'intérieur et de l'eau qui passe de l'une à l'autre. Le fou. De nouveau avec... Alors, il aime beaucoup les signes du zodiaque. Ils apparaissent dans beaucoup de cartes. Un fou qui est vraiment le fou du roi. L'impératrice. De nouveau, une femme très pulpeuse. Et de nouveau, les signes du zodiaque. Elle règne aussi sur la Terre, sur l'univers. Le 7 de denier. Le roi de bâton, le roi d'épée, la reine de bâton, le 6 de coupe, oh, elle est trop mignonne celle-ci, elle est un petit peu, il y en a une ou deux, je crois qu'elles sont dans la suite des coupes à chaque fois, il me semble que le design est un petit peu différent, il n'y a pas les mécanismes déjà. C'est beaucoup plus champêtre hein, que les autres. La tour, alors là, très clairement, pour moi, c'est une référence au 11 septembre, avec cette image de qu'on a tant vu, cette photo de cet homme qui s'est jeté par la fenêtre et qui, en fait, semblait flotter comme ça, qui a été pris par ce photographe, comme s'il était en train de voler, vraiment dans une espèce de sérénité et de tranquillité qui était assez impressionnante à voir pendant que la tour est détruite. Le 8 de bâton. Et enfin, le 6 de bâton. Voilà pour les cartes du tarot doré. Bon, il est vraiment super à utiliser, sauf pour les mélanger, ce qui va être un petit peu compliqué. Mais c'est pas grave, donc on va se faire un petit tirage. Alors qu'est-ce que vous auriez besoin de savoir là aujourd'hui, au moment où vous allez regarder cette vidéo? On va demander donc au tarot doré de nous donner une réponse. Et même pour les étaler, vous voyez, elles restent en paquet en fait. Et je vais prendre celle-ci. Et nous avons le 6 de denier. Alors le 6, d'abord, est un chiffre qui va nous parler donc d'avoir atteint un palier, d'avoir accompli quelque chose, hein, donc d'être dans une situation où on est plutôt stable, où on n'a pas besoin de se poser 50 questions. Et le 6 de denier, c'est la carte de la générosité. Puisqu'on voit un personnage qui, dans à peu près tous les tarots type Rider-Waite, distribue
de l'argent à des personnes qui en ont plus besoin qu'elle. Ici, on ne voit pas les personnages, on ne voit que les mains qui sont tendues. Et le personnage qui ne regarde même pas d'ailleurs à qui il donne ses deniers. Alors c'est un petit peu ambigu d'ailleurs toujours cette carte parce que, alors ça c'est pas moi qui le dis, hein, c'est vraiment traditionnellement, la générosité évidemment c'est une très très belle valeur, pouvoir donner à, voilà, lorsqu'on a, pouvoir donner ce que l'on a sans discrimination, hein, sans se demander si ça va être utilisé à bon escient, etc. Voilà, on a envie de donner. Et en même temps, c'est justement donner avec peut-être l'intention de recevoir quelque chose en retour, ou donner aussi avec, comme cette personne, bon, je m'en fous, tiens, j'ai envie de donner, je vais avoir une belle image de moi, les gens vont penser que je suis très généreux, que je suis une belle personne. Mais moi, je m'en fiche, après tout, voilà, je ne m'intéresse même pas au sort de ceux qui vont recevoir cet argent. Donc, voilà, c'est juste vraiment pour avoir une bonne estime de moi, une bonne image de moi. Et donc, voilà, aujourd'hui, ben, la carte que j'ai tirée pour vous, au moment où vous regardez cette vidéo, c'est ça. C'est développer, bien entendu, votre générosité. Soyez généreux et ne vous demandez pas, quand vous donnez, comment ça va être utilisé, si c'est de l'argent, des biens, ou quoi que ce soit. Ne vous dites pas non plus... est-ce qu'il le mérite vraiment? Parce que finalement, on n'est pas là pour se poser cette question, on n'est pas Dieu et on n'a pas à juger lorsqu'on a décidé de donner quelque chose, et bien donnons-le et sans se soucier de ce que va en faire la personne. Si elle en fait bon usage, tant mieux pour elle. Si elle n'en fait pas bon usage, on va dire tant pis pour elle. Mais une fois qu'on a donné, ce n'est plus, ça ne nous appartient plus. Et les gens ont le droit d'en faire ce qu'ils veulent. C'est ce que j'entends souvent dire d'ailleurs des œuvres d'art. Des livres, etc., des peintures. C'est vrai que le créateur, l'artiste, il met tellement de sa personnalité qu'il aimerait que finalement le public reconnaisse son travail et puis il voit telle chose. Et puis finalement, une fois que l'œuvre est créée et qu'elle est mise, on va dire, sur le marché, ou en tout cas que d'autres personnes que l'artiste la voient, eh bien... vous ne pouvez pas faire autrement que de vous approprier cette œuvre-là et elle n'appartient plus à son créateur. Donc c'est un peu ça l'idée, c'est donner, soyez généreux, mais n'ayez pas cette arrière-pensée de vous dire est-ce que la personne le mérite ou aussi est-ce que je ne fais pas ça pour donner une bonne image de moi et finalement récolter tous les lauriers. Voilà pour la présentation de ce tarot, j'espère qu'il vous a plu. Mettez-moi en commentaire si vous connaissez ce tarot, si vous l'avez, si vous l'utilisez. Et puis moi, je vous retrouve très vite sur une prochaine vidéo. Bye bye !